pirate cosmique vit son rêve. Là, dans les nuages. Et vous savez ce que pirate cosmique aime faire de ses rêves? Les partager, bien entendu. Alors elle a une idée. Elle s'approche de l'arbre, saisit délicatement une des bulles nébuleuses et monte au sommet du phare. Elle le dépose dans la lanterne et la bulle y trouve parfaitement sa place. Mais il manque quelque chose. Un chant. Alors, notre aventurière chante. Et la bulle éclate, libérant jusqu'à l'horizon un halo de lumière tel une invitation. Chaque soir, la pirate recommence. Une bulle au zéro du phare. Une invitation. Mais, et si personne n'y répondait? Après tout, un dragon. Une île mystérieuse. Dans les nuages. Est-ce que tout ceci est finalement bien réel? Est-ce que notre exploratrice est toujours inconsciente en train de dériver? Peut-être pire encore. Mais un bruit attire son attention. Comme un bruit de chalumeau. Là, perçant la mer de nuages, le ballon d'une montgolfière, plus coloré encore qu'un mandat, perce les nuages. Et là, une autre montgolfière, et là encore. C'est tout un équipage merveilleux qui accoste sur l'île. Tous ensemble, ils démontent les montgolfières, récupèrent chaque pièce et construisent un immense dirigeable qu'ils appelleront le Cosmic Boat. Et à bord de ce Cosmic Boat, notre capitaine et son équipage fabuleux parcourent le monde afin de répondre partout au temps de Colors in the Darkness.